Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc, dans ce tutoriel, plutôt dans cette présentation, je vais vous présenter l'application Kanji Tree, hein, que vous pouvez trouver sur le Google Application, qui est, comme son nom l'indique, une application pour apprendre les kanji, mais pas que. On va pouvoir voir ici dans Reconnaissance qu'on peut aussi apprendre les hiragana et les katakana. Il y a tous les niveaux de kanji, hein, donc du niveau 5, qui est le premier niveau au niveau 1. Et bah, on peut voir les différents niveaux par rapport aux classes japonaises, hein, qui va de 1 à 6. Et le lycée, bah, il y a plusieurs tests au lycée. Bah, je connais très peu, hein, moi, tout ce que je sais, c'est qu'ici, ici, là, 2136 kanji, hein, donc c'est les Juyo Kanji. Je ne suis pas un expert. Juyo Kanji. Je regarde dans. J'ai un bouquin, là, le Kanji Tokana. Les Juyo Kanji, il y en a 2136, ouais, c'est ça, hein, 2141, selon. Il y en a un peu plus dans le Kanji Tokana. Peu importe. Hein, voilà, c'est normalement, c'est les kanji utiles pour être capable de lire le journal japonais. Donc voilà, donc on peut avoir donc ici par exemple les hiragana. On a tous les hiragana, le tableau, on clique sur un, on voit que c'est E. Un autre, c'est I. Voilà, comme ça on a un lexique. On a pareil pour les katakana. Hein, donc les hiragana, c'est pour les mots en japonais, et les katakana, c'est pour les mots étrangers. C'est pour avoir une. C'est des syllabaires, hein, c'est des syllabes à chaque fois. Celui-là c'est mi, celui-là c'est do, voilà. Et on a les kanji, ici tous les kanji. Hein, donc là, moi je les connais que très peu. Hein, j'en ai beaucoup en vert là, mais c'est parce que. En fait, c'est en jouant ici, en mettant jouer. Vous voyez, on a différentes questions à choix multiples et on en a quatre. Hein, donc forcément, ça rend. Hein, les choses un peu plus simples, sauf que celui-là, je ne sais pas trop. Middle in, voilà. Ça, c'est le jour, le soleil. Dehors. Ah non, faux, c'était non, j'ai confondu. Celui-là, dehors. Et il ressemble un petit peu, hein, il y a le même symbole ici. Hein. Voilà, c'est outside, c'est bien dehors. Voilà. Ça, c'est. Bon, peu importe, ça, je crois que c'est noon. Non, c'est pas noon, c'est comme. Ok. Voilà, donc. Donc voilà, ils sont en vert ici, c'est juste parce que je connais le sens. Je connais le sens dans une question à choix multiples avec quatre choix. Donc forcément, bah des fois par élimination, on peut trouver le bon choix. Donc c'est pas très probant. Hein. Donc voilà. Voilà pour ce que j'ai utilisé de l'application. Hein. Bon, il y a un mode lecture. Que j'ai très peu utilisé hein, pour l'instant. Moi je voilà, et puis il y a un mode dictionnaire, là on peut trouver différents mots. Par exemple, on tape car faut taper en anglais hein, par contre. Donc ça me trouve le kanji, ça me trouve toutes les prononciations, il y a tout un dictionnaire intégré. Elle est vraiment géniale hein, cette application là. Je lui fais peut-être pas trop honneur dans tout ce que je dis. Il y a un mode pour écrire, ça c'est un peu compliqué hein, le mode pour écrire. Je préfère d'autres applis parce que faut vraiment ici, par exemple, la Terre, voilà, je vais essayer de le faire. Il faut vraiment tracer dans le bon ordre et exactement à l'endroit où il faut. Hein. Donc voilà, il faut bien démarrer ici. Voilà, non, c'est ici, voilà. Et puis après, faut vraiment deviner. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident du tout. Donc c'est pour ça, pour l'écriture, je préfère d'autres. Il y a d'autres applications que je trouve mieux pour l'écriture. Dans ce que j'utilise énormément, c'est uniquement pour la reconnaissance. Hein. Et il y en a énormément. Et puis l'application est totalement gratuite, sans pub. Oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Il y a pas mal d'aides. Il y a tout un dictionnaire intégré. Bon, il y a une version pro. Qu'est-ce qu'on a de plus dans la version pro? Bah, il y a déjà des publicités. Il n'y en a pas dans les deux. Hein. Voilà, ça propose pas de payer. Si, il y a un peu plus de. Il y a plus de mots. Il y a. Bah, voilà, il y a des choses en plus. Il y a des effets sonores. Il y a des kanji today. Include default. Ouais, il y a des kanji en plus. Et des indications en plus. Mais bon, déjà en version gratuite, elle est vraiment géniale. Hein,
Donc je vous conseille très fortement cette application Kanji Tree. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le bazar de Guigui.